Bonjour, je m'appelle Rocky, je suis un chaos, je suis mignon. Quelqu'un sait que c'est moi qui parle. Ouais, bon, on s'en fout. Bonjour à tous, ici c'est Tails. Non, je connais, c'est Noobu. Nous sommes aujourd'hui pour un nouvel épisode du Let's Play, un peu hors sujet cette fois-ci, de Sonic Adventure de Battle. Et j'ai fait tomber le chaos, oh, que je suis méchant. Oh, t'es... oh ouais, t'es mignon. Oh, t'es mignon, mignon, mignon. Donc... sans déconner, nous allons comme promis faire un épisode hors sujet, donc je l'ai dit, j'ai dit ça, et nous allons faire les occupations du chaos. Occupations, enfin les sports de chaos. Les sports du... ouais, bon, c'est pas grave. Donc, nous avons soit les courses clandestines ou soit les combats clandestins. Clandestins. On s'en fout. Je sais pas dire, je sais rien dire, c'est pas grave. Petite musique d'ambiance. Donc, nous allons faire une course de chaos. Ce qui n'est pas plus palpitante des occupations après celle des... Bien sûr, évidemment, celle de la course d'escargot à dos de mouton. C'est évident. Et donc, nous allons... faire une course avec Croquis. Donc vous voyez, Swim, Fly, tout ça, c'est bien évolué comparé à avant. Et aussi comparé à Champ qui n'a rien en fait, au final. On se parle. Donc nous allons faire Rocky. Nous allons faire... la course contre les puissants rivaux de Vierge. Qui c'est Dark. Et donc, voilà, que la course 15. Palpitant. Oui, je pourrais passer ce moment, mais non, je vais vous laisser. Au maximum. Bah, c'est juste pour ça que j'ai envie de laisser, c'est tout. Oui, je suis salaud, je sais. Moi aussi, je m'aime. Donc, musique qui change. Donc voilà, tous les chaos qui sont accroupés au la ligne de départ, nous allons commencer la course. Malgré les impétueux défaits qu'elle ait fait. Donc voilà, pour résumer, je ne fais rien dans la course, j'ai la manette posée si vous voulez, regarde. Voilà, je pose, c'est clair. Non, j'ai pas posé. Donc là, nous allons... Là, c'est du pas de bol. Voilà, là je suis en haut, hein, le chaos blanc en haut. Et il vient de se ramasser un truc, en fait... Là, c'est une question de chance, en fait. Soit il ouvre, il a rien, il avance, soit il ouvre, il a quelque chose, il a peur, il se casse sa gueule. Bon, pas de bol, voilà, ça arrive. Donc voilà, je n'ai absolument aucune influence sur la course. À part un truc, le stamina, où j'appuie sur A, et il a un petit boost. C'est genre un petit sprint, genre... oh, je fais un petit sprint. Voilà, c'est tout. Mais à part ça, je n'ai aucun moyen de gruger le truc. C'est juste les statistiques qui parlent, on va dire. C'est tout. Donc voilà, je vais vous montrer ça parce que c'est quand même, il y a un aspect du jeu quand même. Il y a aussi les combats aussi que je vous montrerai après, mais je vous montrerai pas tout parce que t'es obligé d'en faire 5 d'un coup, c'est un peu chiant les 5. Donc voilà. Donc tu vas avancer, connard, hein, connard KO. Et les petits boosts. Voilà, les petits boosts, c'est tout. Donc voilà, une autre épreuve du truc de la course, style la boîte empoisonnée. Le secouage d'arbres pour manger. Parce que oui, manger fait partie d'une épreuve. C'est un concept. Je sais pas de quel... Je pense que c'est la force qui fait ça, je pense. Il y a moyen. Bon, il se viande et con. Le mien, c'est pas viandé. Si, c'est viandé. Si, évidemment. C'est bien. Oui, aussi, je n'ai pas de pouvoir non plus sur la caméra. La caméra est fixe. Enfin, est fixe. Entre guillemets, je la contrôle pas, quoi. Nous allons remonter, non, ça peut être assister à une remontée spectaculaire de Rocky. Putain, je sais pas parler aujourd'hui. C'est la première fois que je vous prends les let's play depuis 2 semaines, hein. Je suis complètement paumé, je sais plus quoi dire, c'est la fête. En même temps, c'est pas le plus palpitant à commenter non plus une course de chaos. Autant commenter une course de Scargo, c'est vrai que c'est plus court du moins. Parce que là, ça fait déjà 2 minutes qu'on fait le truc, hein, quand même. Hein. Je voudrais signaler quand même. C'est quelque chose. Donc là, nous allons citer à une autre épreuve. Autre que la course en elle-même. Celle où le chaos doit chercher l'objet qui est sur le plateau, là, pas loin. S'il se trompe, il se prend un oignon dans la gueule, il reste chaos un petit moment. Soit il a bon, et c'est bon.
Et là, il va avoir tort parce qu'il n'y a plus qu'un objet sur le truc. Et voilà. C'est un connard, ce garou. Il n'aurait pas pu attendre. Donc, si je termine dernier, c'est normal. Hein, c'est tout à fait normal. J'ai pas eu de peau deux fois de suite, quoi. Normalement, il faut l'amener à l'école pour qu'il soit plus intelligent. Mais voilà. Là, il se prend une dans la gueule. Pas de piton, non? Voilà, il reste là pendant 2 secondes et. Non, 10 secondes même. Bon, au moins 5 secondes au moins. Là, du coup, il est dernier. Hein. C'est même pas la peine que j'essaie de speeder. Ça sert à rien. À part s'il y a des trucs spectaculaires en course, et non. Non. Il est juste dans la moyenne du truc. Hein. Niveau 30, c'est que dalle. Allez, un petit boost. Nyeh, oui, force. Encore le stamina, il n'a plus beaucoup. Il est dans la merde pour finir la course, lui. Et parce que le stamina, c'est aussi pour lui-même. Hein. C'est-à-dire, si elle est finie, il avance plus. Hein. Il fait du surplace. C'est tout. Je ne pense pas que je vais montrer la fin de ce truc, quand même, parce que ça risque d'être long, hein, je crois. Hein? Ouais, allez, on va passer au combat clandestin. Hein? Entre combat de charognard, de pestiféré, des khalafélek et des fulu qui a la boue. En moi tout ça. Allez, nous y allons. Et c'est pas là où je dois aller, mais c'est pas grave. Je sais pas où je vais, je nage dans le pâté. Oui, nager dans le pâté, ceci est une expression par ici. Nager dans le pâté. Voilà, nous allons faire des Kao Kawatei. Musique un peu japonaise. Donc un tournament. Oui, j'ai l'accent classe. Nous allons utiliser Rocky. Rocky Balboa. Balboa. Doucement, hein. Voilà, donc là c'est pareil, je n'ai aucun contrôle sur le combat sauf la stamina quand il sera un peu KO. Donc je vais combattre 5 bébés KO de suite. Vous allez voir, c'est aussi pas de piton que les courses, hein, c'est... Voilà. Mais j'ai fait mal là pourtant, hein. Je vous dis que... C'est quelque chose. Diabolique. Il a voulu quand même lui mettre un coup de pied dans les couilles quand même, hein. Voilà, là le KO est fatigué. Vous voyez la barre en bas. Quand c'est rose, c'est sûr que c'est bon, il est en forme. Et quand c'est en noir, comme l'autre, on doit appuyer sur A comme un taré. Et pour que ça monte. Pour qu'il reprenne le combat. En gros, c'est ça. Donc voilà, ceci est palpitant. Si encore on avait un pouvoir sur quoi faire, mais non, même pas, quoi. C'est con. Je vous laisse admirer les sons, tout ça. Pain, pain, pain. Donc voilà, je vais montrer 2 combats, on va laisser le troisième se dérouler. Voilà, c'était juste une petite vidéo bonus parce que j'avais envie, parce que je viens de reprendre mon PC et c'est cool. Le son de ma voix a dû changer parce que j'ai dû faire quelques changements parce que sinon ça allait pas faire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve la prochaine fois pour une vraie vidéo, ça se trouve le même jour. Ça se trouve je mettrai le même jour la vidéo à la suite parce que bon, ça va pas aller. Donc voilà, à la prochaine les gens.